voulais monter dans le train. Oh, il m'a tué! T'es mort, espèce de fils de pute. Est-ce que tu savais, mon pote, qu'à chaque fois que tu lâches un like sur une de mes vidéos, il y a un Kiko qui meurt? Alors lâche un like, mon pote! Oh, punaise, ça fait plaisir! Ah non, il l'a fait! C'est un bon, lui, on le prend. Espèce de fils de pute. Oh! J'arrive à la rescousse. Il rage, les gars, il s'énerve. Ah ouais. Les grosses salopes là qui sont sur la session, venez, je vous encule tous. Viens. Tu nous encules, vas-y, viens. Viens, petit rageux là. Eh, petit zizi là. Eh, t'as trouvé ta quéquette aujourd'hui ou pas? Eh, ferme ta bouche, vas-y. Eh, vas-y, petit rageux, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais pas genre, vas-y, tiens. Vas-y, fais genre. Ouais, gros, tu fais quoi, gros? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Ah, les gars, venez m'aider, y'a un rageux là. Pointe ta boîte à camembert, toi. Eh, gros, qu'est-ce que tu fais? À la sauce. Eh, vas-y, gros, ferme ta. Vas-y. Gros, nous vençons, gros. Qu'est-ce que tu fais? De quoi? Ah, on retourne te mettre dans le canapé là, vas-y. Tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur, mais putain, mais. Eh, mais vas-y, mais arrête. Ouais. Moi aussi, je t'ai cramé, moi. Tu es grave. Je sais, grave. Lance la sang. Il est mort. Non. Vas-y. Non. Vas-y, ouais. Hein? De quoi? Là, j'ai fait tuer. J'aurais pas aimé. En plus par moi. J'aurais pas aimé. Vraiment. J'ai rien fait, moi. Mais ça me dégoûte, franchement. Vas-y, mais on a rien fait là, pourquoi t'es dégoûté là? Retourne sur Altis, personne. En plus, c'est bien, j'ai pas fait. J'ai regardé 2-3 vidéos, j'ai perdu mon temps à regarder ces conneries, gros. Mais... Vas-y, du calme. Il a pas kiffé Altis, faut te le bouffer. Des gens qui ont pas de thunes, mec. Qu'est-ce que tu chier là? De quoi? Le mec, il a un compte Covid, il parle. Mais regarde ça, tes potes, ils puent la merde. Mais j'ai rien fait. Oh, je t'en prie. Oh, tu te calmes. Oh. Je me calme pas. Si, tu te calmes là. Tu t'es en train de t'exciter là. Oh, tu te calmes là. Oh. C'est un jeu là. Oh, on est dans un jeu là. Oh, c'est vrai. C'est un jeu, mais de quoi? C'est un jeu. Tu verras quand tu galéreras vraiment à faire des thunes, gros. Nul. Mais je t'ai rien fait, moi, c'est toi qui. J'ai rien. Non, c'est pas vrai, je t'ai tué au moins 15 fois. C'est pas vrai. Tu m'as tué au moins 15 fois. Si, j'ai les preuves. Non, mais j'ai les preuves. Preuve. Mais pourquoi il est vénère? Mais vas-y, mais lol, non. Non, mais laisse-le, mais touche pas à Gamer, tu touches à tout le monde. Abouri, tu peux toucher, mais pas Gamer. T'es deux. Pour ça, je vais t'enculer à sec, ton Gamer. Ah, choqué. Fais gaffe à tes fesses, Gamer. Cache-toi, boy, fais gaffe, bourri 40. Mais vas-y, mais mec, pourquoi tu t'énerves? Vas-y, moi j'ai rien fait, je te tue même pas. Regarde, je suis là, je suis tranquille. Ah, il est mort. C'est quoi? Attends, Jean-Kill, tu sais quoi? J'ai téléchargé la vidéo et je vais te mettre sur YouTube, gros. Ah ouais? Non, mais surtout pas sur YouTube. Ah non, putain, hein. Il va me mettre sur YouTube, les gars. Les gars, il va me mettre sur YouTube! Non, pitié, non! Arrête ta voix de cuisson là, mais. Mais vas-y, mais respecte les gens là, respecte les gens. De boycotter les gens qui ont pas tué sur GTA. Vas-y, on a rien fait, moi j'ai rien fait. Je vois un mec, vas-y. J'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh, le mec, on dirait que j'ai cambriolé sa mère et que j'ai frappé son père, t'sais, on dirait que j'ai fait un truc grave. Mec, j'étais là tranquille avec ma moto. Ah, il est mort, bah voilà, t'es mort. Si, j'ai des preuves. On va se calmer là. Il est fou, il est plus en plus fou. Il est fou. Mais vous êtes trois, mec, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais toi tu vaux pour 4. Alors ça fait 4v3, c'est nous qui sommes moi. Ah.
bon. C'est qu'un jeu, ça va. Ouais, c'est pas bon. Non mais calme-toi, calme-toi. Dernière, t'as couché par son cul ou quoi? C'est beau ce que tu dis, c'est beau. C'est beau. Les gens, vous entendez la réaction qu'il a? Le mec, il a plus de 20 ans, regardez comment il réagit quand il meurt. Il meurt dans un jeu vidéo, regardez. Tu meurs une fois dans un jeu, t'as vu comment tu réagis? On dirait un enfant, sérieux. Le mec, il va pleurer, il commence à insulter les mamans et tout. Oh, le mec, il est là. Oh, tu m'as tué une fois, ça y est. Oh, tu sais que comment t'es né? Mais mec, t'es dans un jeu vidéo. Tu meurs, c'est normal. Je pensais pas trouver tant de sensibilité dans cette session. Ah voilà, bah il t'a enchaîné. Faut accepter la défaite. Vous êtes... arrêtez d'être saucé parce que vous tuez, vous faites rire là. Non mais putain, arrête, c'est toi qui es saucé là, mais nous on n'est pas saucé. Nous on te tue, on joue un jeu, mais toi c'est toi t'es saucé quand tu nous tues. On va plus ta vie. Quand tu me tues, moi je suis pas en train de te dire que ta mère elle faisait le trottoir. Lol, c'est un jeu vidéo. Tu te calmes déjà. Tu respires. Je suis allé auprès de ta daronne. Arrête de parler des mamans, mais qu'est-ce qu'il a avec les mamans? T'as pas élevé la tienne ou quoi? T'as pas élevé ou quoi? Mais go répète ta vie. Mais juste pour que les gens voient comment, enfin, tu te fais boycotter en fait. Tu es soi-disant, tu trolls Kikou, mais c'est toi Kikou, tu te fais boycotter là. Je me fais boycotter. Ah oui, j'ai le boycott qui a augmenté là, une crise du marché, c'est total. Qu'est-ce qu'il fait là? T'as fini de jouer à la petite maison dans la prairie là, faire ta danseuse là, y en a marre. Je te vois en train de sautiller dans les champs là, c'est chiant là. C'est nous qui insultons les mères. Ouais, c'est grave. Le mec, il parle de rageux. Le mec, il a insulté tout le monde. Le mec, il a insulté même Jacques Chirac, qui s'en est pris une dans les fesses. Tu vois, il a rien demandé. Il est là. Et hop, c'est pour toi. Allez. Le mec, il arrose tout le monde. T'es. Le mec, c'est un arrosoir automatique. Vous êtes à 3 de tirer dessus, vous n'avez pas à me tuer, vous êtes sérieux les gars là? Bah tu te suicides à chaque fois que tu prends des dégâts, vas-y tu te suicides. C'est le jeu là pour vous dire ça, c'est 3, tu crois que... Vas-y mais moi j'ai... Vas-y mais aussi voilà quoi, lol. Il a une connexion rainée gros, mais laisse tomber. Frérot, go répète ta vie, j'ai la fibre, alors à mon avis la co... Mon petit frérot, tu vas te calmer déjà mon petit frérot. Il s'est suicidé les gars, bon bah il se suicide. Hein, c'est pas du jeu. Hein. Ça vous intéresse de jouer contre un mec qui se suicide? Vas-y, c'est bon quoi. Il fait des gros bisous sur la touche de ta daronne. Merci, je prends ça comme un compliment. Ces années 70, elle doit avoir. Je sens la rage dans ta voix, c'est dans tes propos, je sens la rage. Ah ouais, mais tellement, non, mais tu me fais kiffer là, Jean-Kévin, arrête. Franchement, c'est un honneur parce que tu m'es pété mes cargaisons, gros. Je te promets, c'est un honneur. Ah non, mais t'as vu comment tu l'as pris? T'as vu comment tu l'as pris, franchement? Faire plaisir sur vous, t'as vu? J'ai pas de cul, contrairement à vous. Tu veux que je te file 15 balles pour que tu t'achètes une shark card? Vas-y. Franchement, go pas rêver, hein, je te la filerai pas. Putain, mais vous êtes vraiment des bites, les gars, vraiment. De quoi? Qu'est-ce que t'as contre les bites déjà? T'as un problème. Tu refoules des trucs chez toi ou. Regarde, mais c'est quoi cette putain qui est avec toi, sérieux? Les deux suceuses là, mais vraiment. Arrêtez les deux. vous entendez? Gamer, vous êtes des. Vous êtes que des putaclics. Vous êtes que des putaclics. Essaye de t'entraîner, je sais pas moi. Pourquoi faire? Mais je sais pas, quand même avoir un peu de level. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Boré! Pourquoi tu passes devant mon viseur, Boré? Oh, il a tué son pote. C'est con, c'est exprès. Un peu des deux, je crois. Mais on rigole surtout de la conversation, tu vois. On rigole, ça nous fait plaisir. On t'écoute tout à l'heure. T'as eu le seum par rapport à ma. Ah, c'est pour ta cargaison, t'as eu le seum. En fait, je me fais mon ratio sur vous. Mais ça sert à quoi ton ratio? Tu gagnes de l'argent derrière? Tu fais une compétition? Il y a des compètes, je sais pas, tu fais. Ah, d'accord, c'est pour le plaisir. C'est goût à gars, en fait. Ah, oui, d'accord. Ah, je savais pas. Oh, mais franchement, bien, les gars, merci. Vous faites passer une bonne petite soirée là. Ah bah on est heureux, hein, on a vu hein. En fait il passe des bonnes soirées quand il insulte les mères. Quoi mec, sa vie. Moi je respecte ses darons. Ouais. Quand commence à parler de ma mère. Tu vas arrêter d'être vulgaire, c'est pas comme ça qu'on t'a appris à l'école hein, donc
Tu vas arrêter d'être vulgaire, tu vas te calmer deux secondes. Boycott l'école, boycott un peu le système, putain. Ah ouais, t'es. Oh, t'as raison, t'es grave anti-système à passer ta nuit sur GTA V. C'est vrai que t'es un révolutionnaire. T'es un révolutionnaire, grâce à toi, le monde il va changer, MDR. Le mec il a un ratio de 2,50 sur GTA. C'est un anti-système, il est révolutionnaire et tout. Demain, tout le monde aura à manger grâce à lui, le mec. Il y a les gens dans le moule et il y a les gens qui sont anti-système et qui jouent à GTA et voilà, qui changent le monde. Surtout contre les cons, tu vois. Mais Gorépé ta vie, t'es contre les cons et t'insultes les gens comme ça. Il passe une bonne soirée s'il fait des kills. S'il fait pas de kills, il pleure donc. Surtout pour toi, Jean-Kévin, t'es réputé dans le monde. Oh oui, oui. T'es réputé. Ah oui. Oui, non, mais on le sait, hein. Moi je vise le championnat du monde, hein. Oui. Ah bah oui. 300 000 petits coups qui te suivent. Oh, tu vas te calmer, ma parole. Commence pas à parler des abonnés, sinon j'invite tout le monde à la session. Ils vont te marave la poire parce qu'il y en a qui jouent 100 fois mieux que toi. Tu te sens chaud, t'as des abonnés, C'est toi qui tu dis mes abonnés c'est des kikous, c'est toi le kikou. Déjà t'insultes les mères, on t'a rien demandé. Vas-y, je vais faire plaisir à mes abonnés, je vais les rentrer dans le crâne. Attends, faites pas le crâne, au pire quand il y a du respect quand tu viens boycotter les sessions des gens. Boycotter quoi? Ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire boycotter l'antisystème? Tu sais ce que ça veut dire boycotter l'antisystème? Parce que j'ai pas l'impression. Tu boycottes. Vas-y, change de session, fais-toi plaisir, ça fera du bien en fait. Il avait les mots. J'ai mis 10-4. Ça fera pas grandir ta quéquette, ça changera pas ta vie de toute manière, les kills, non, on est d'accord. Y'a rien qui change. Au lieu de boycotter les gens, apprenez à. Mais tu sais ce que ça veut dire boycotter? Attends, parce que. Oh, je vais me vénère là. Tu sais ce que ça veut dire boycotter ou pas? Parce que là, au lieu de faire ton kéké là avec ta putain de manette, t'es même pas foutu d'utiliser un mot français là. Oh, boycotter, définition de boycotter. Boycotter, définition. Boycotter les gens, mec, ça veut dire les ignorer, boycotter. Le mec, il me dit au lieu de boycotter. Mais ça veut rien dire ta phrase, elle est même pas française. Alors, au lieu de me casser les bonbons. Non, sur le level en sniper, tu ferais peut-être bien d'ouvrir un dictionnaire, non? Boycotter, non mais le mec, boycotter. Non mais arrête de boycotter les gens, mais ça veut rien dire, c'est pas français. C'est pas français, tu vas apprendre à parler. Tu vas apprendre. Boycotter, non. Boycotter, c'est ignorer. Boycotter, définition de boycotter. Quand on boycotte un produit, on ignore le produit, on arrête d'acheter. Quand tu boycottes, boycotter une session, ça veut rien dire. Boycotter une session, ça voudrait dire ne pas aller dans la session. Ça ne veut rien dire, ta phrase elle est pourrie. Je vais être obligé de couper ça au montage. Ah, vous avez fait passer une bonne petite session finalement. Ah, tu vas partir? Pourquoi tu t'en vas? Attends, pars pas. Vas-y. Si ton live dure quelques heures, je suis chaud. Vas-y. Bah nous aussi on est chaud, hein. Franchement on est chaud. Attends. Hein. Allez, ça va. C'est quoi cette pixel, Jean-Kévin? Mais respecte les gens, tu vis dans ta grotte. Je veux pas avoir des consanguins dans mes potes, moi. Ah, des consanguins, bah oui, bien sûr. Tu te rends compte que toute ta communauté est basée vraiment sur des enfants. Tu vas muter, hein? Tu rages quitte vocalement, tu rages quitte. Médite un peu. Tu rages quitte. Tu connais la méditation? Oui. C'est un moins de 10. Oui, c'est ce que tu fais jamais, la méditation. Tu te rends compte que là, tu viens de dire que puisque mes abonnés sont tous des enfants, quand tu les traites de consanguins, t'es en train de traiter plein d'enfants de consanguins. T'as pas l'impression. Tu te sens pas mal dans ta peau, ça va? Tu pisses à l'arrêt, Non, tu t'auto-pisses à l'arrêt. Dis à tes abonnés venir sur ma tête et dis-leur que je les attends, tout simplement. Ah, le mec, il a pas honte. Le mec, il traite des jeunes de consanguins. Oui, t'es ridicule, bien sûr. Et quand bien même, t'es fier d'insulter des jeunes de 14 ans, t'es fier de les insulter comme ça en live. Tu les insultes, ils t'ont rien fait. Il est possédé. C'est rare, hein. Il est possédé, genre. S'ils sont si nuls, vas-y, tu l'es. LOL. Ah oui, il se défend, c'est. Moi, j'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde dans le crew. Tous ceux qui ont envoyé des invites. Tu dis que t'es plus fort. Bah, vas-y, tue mes abonnés, alors. Tu dis que c'est des consanguins, en plus. Vas-y, tue les consanguins, alors. On va voir. Noté de 15-16 ans, t'as jamais eu 15-16 ans, toi, espèce de tête à claque, tête de nœud, va. Ah, si, mais bon. C'est la tête de
nœud qui regarde les autres et qui traite tout le monde de tête de nœud. C'est toi la tête de nœud là. Ah oui, c'est clair. Non, mais t'es une tête de nœud, mec. T'es une tête de nœud. Non, mais t'es une tête de nœud. T'es passé par la même. T'es une tête de nœud. Tu connais pas. Tu les connais, mes abonnés, peut-être. Alors arrête de parler. Allez, tête de nœud. Tu m'en fais un beau de ce gag là. Il a jamais eu 16 ans. Il a jamais eu. Voilà, le mec il ouvre sa bouche. Le mec il est né, tu sais. Le mec il avait 32 ans déjà. Le mec il avait déjà de la barbe. Il est né avec la moustache, le mec. Il a jamais. Le mec, sa mère, elle a accouché d'un bébé de 35 piges. 35 piges, le mec. Tu sais quoi, il y a 10 minutes, tu me dis, ouais, on passe pas des mamans, je sais pas quoi, là, tu viens faire quoi, là? Est-ce que je l'ai insulté? Non. J'ai dit qu'elle a accouché d'un monsieur de 35 ans direct, c'est juste ce que j'ai dit. Ouais, ouais, totalement, ouais. Ouais, je le dis, je le redis. Purage, je t'insulte. Les abonnés pour qu'ils viennent me faire rager, mais non, ils viennent pas te faire rager, tu viens de les insulter, tu viens de dire qu'ils étaient tous nuls et cons, donc vas-y, je les invite, ils ont droit. Ils ont le droit de se défendre aussi, bah vas-y. Mes abonnés, ils sont 100 fois plus forts que moi, je sais. Le mec, il joue à la testostérone, il joue avec un casque pare-balles. Tu sais jouer à GTA, mec, c'est bien. Ils sont plus forts que toi, mes abonnés, ils ont trop de level, je les connais. Ils me mettent des patates, ils sont trop forts, je le sais. T'es même des abonnés, frérot, ils ont 8 ans, ils te mettent la pâtée. Il est où le cofangard, là? C'est suicide, là, de battre. Tu fais pareil. Ils ont trop de level. Pas ouf de suivre un mec comme ça, là, le verre, là. On va suivre ça depuis la minima, PNDR. Vas-y, casse-toi. Allez, il y a un duel. Excuse-toi juste pour mes abonnés. Excuse-toi. Eh, mais t'as pas honte. Mais franchement. Mais t'as pas honte. Tu es la merde. Cache-toi, tu sais que j'allais t'avoir là. Ah, tu vois, ils sont forts. Ah, dis-le, ils sont forts. C'est qui qu'il faut baiser là? Faut tout baiser, ok. Alors, c'est qui qu'il faut baiser? Mais gros, tu joues avec des. C'est gun, les gars. Ouais. Tu fais le malin au sniper? J'arrive, mon gars. Tu apprécies le sniper? Tu vas m'adorer. J'arrive. Vas-y, rip, on sait. Faites-moi péter cette session, les gars. Ah, bouc. Oh, ils sont trop forts. Allez les gars, mettez-lui une droite comme ça, ouais. Comme ça. Bom, bom, allez, on enchaîne. Allez, bom, bom. Fais le malin là, que je te défonce sa mère là. Ah, mes abonnés sont revenus, m'a sauvé. Merci les gars. Moi, j'arrive. Tu vas rasquer. Tu vas te mettre en passif. C'est ce que je veux faire, regarde bien ce que je veux faire. Tu vas rasquer. Hey, Gun, j'arrive les pucelles. Vous êtes à 5 sur un pélo, sérieux. Mais c'est. Où est-ce que vous avez vu que c'était avant des durs? Ouais, mais eux ils insultent pas. Eux ils insultent pas. Allez. Eh, petit, j'arrive. Mais il est parti où, lol? Ah, mais il est à la porte. Il est en train de courir, les gars. Il est en train de se cacher, les gars. Il coupe un mec. Le mec, il a utilisé le fantôme. T'as cru que je suis assez con pour me faire avoir un fantôme par 3 pixels. Oh, mon temps véhicule, les gars. Let's go, on va le chercher. On est tous contre toi, frère. Mais moi, j'ai cassé. Vous faites trop pisser, les mecs, en plus. Il est en sang, le mec. Il est où, le truc du cul? Je cherche pas de droit. Ah bah ouais, attendez, je vais aller là. Il a pas de level à tirer. Lol. Si on casse les couilles, et ben tu vas te faire des omelettes. Oh la session, elle est blindée. Exodon. Ah, il y a un quelqu'un qui est près de lui, allez, bute-le, le mec. Celui qui est près de lui. Oh là 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 là. Oh là là. Il en avait marre de la vie. Il a rage-kit ? Il en avait marre de la vie. Non, il en a marre de la vie. Il en a marre de la vie. Les gars, go la base militaire, les gars. Oh, GG, mode GTA. Il l'a tué, c'est bon. Oh, GG, mode GTA, boum. Oh là là. C'est qui qu'il faut défoncer, là? Il est rentré chez lui. Vas-y, moi, j'ai quitté parce que ça fait chier. Pour le crash. Les salopes.
Vas-y, mais quitte pas. Non, quitte pas. Non, quitte pas. Il va quitter. Ah non. Mais il va quitter. Vous l'avez trop enchaîné, les gars. Il a pas supporté. Oh, il a disparu. Rip. Il a disparu. Oh, il a quitté. Moi, je vous propose un truc. Go se lancer des petites activités là. Allez. Allez, je vous invite. Allez, je vous invite. C'est moi qui rase. Allez, c'est parti.